Salut à tous, c'est Frem pour ce petit live matinal. Pendant que la princesse fait sa sieste, on va aller chasser tout simplement dans les anneaux de cette planète, Vadimo 5. Donc, suite au conseil que j'ai pu recevoir durant le dernier live, je me suis dit que j'allais essayer, sachant que je suis toujours sur cet objectif communautaire où j'ai enfin réussi à passer la barre des 50%. Et qui a été monté de niveau d'ailleurs. Bref, on verra ça tout à l'heure. Donc j'ai toujours cet objectif communautaire en fait. Cet anneau est bien plus proche que la balise. Donc, je me suis dit que j'allais voir ce que ça donnait proche de cet endroit. Et effectivement, il y a quand même pas mal de pirates. On s'approche. Mal de pirates parce que bon c'est un site d'extraction de ressources. Il y a du monde là-bas. J'ai quelqu'un à analyser. C'est un site minier, donc forcément ça attire les pirates qui veulent éliminer les mineurs pour les ressources qu'ils extraient. Il faut faire très attention parce que tous les débris que l'on peut voir là, tous les débris astro en fait, et ben on peut se les prendre dans la tronche. Il a déployé ses points d'emport, pourquoi? S'il a déployé ses points d'emport, c'est qu'il a repéré quelqu'un, donc on va le suivre. Effectivement, il y a déjà des tirs. Déjà mort. Compétent. Je lâche le bouton comme un idiot. Résultat, j'arrive pas à le scan en permanence. Un petit 11 000 pour commencer la journée, c'est déjà ça. Mais en fait, ils ont quand même des grandes primes dans le coin, étant donné qu'il y a pas mal de sécurité. Bon là ça va être un mineur je suppose. Non, même pas un mineur. Mais il n'est pas recherché. Doucement pour éviter de se prendre les débris. Ça reste plutôt calme pour l'instant. Ah, quelqu'un que j'ai pas encore analysé. Feu. Il y a un combat qui se passe là-bas, à la gauche. Okay.
ça vaut pas les primes que j'ai pu avoir hier de 200 000, etc. J'en ai plusieurs. Quand je revenais, je me faisais des fois 1 million. Quand je revenais récupérer mes primes. Le souci, c'est que à partir du moment où ce sont des bleus ou des novices ici, ils ne font pas forcément long feu. Alors, pas mal d'animation en bas là. Autorités surveillent vraiment ici. Apparemment, je commence à avoir un peu de lag sur le stream. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, malheureusement, ça va être baisser un tout petit peu les graphismes. Moyen. Ça devrait peut-être être un peu mieux. Parce que là, en fait, dans cette zone, il y a tellement d'éléments que mon ordinateur, il a du mal à tout charger et à faire le stream en même temps. J'essaye en fait en ce moment de commencer le détecteur ADR, donc avis de recherche, avant d'attaquer. Ça permet de gagner un peu de temps et de permettre justement, bah là dans ces cas-là, lorsque j'ai engagé, généralement ils foncent sur moi. Et ça permet d'éviter d'avoir à maintenir tout en essayant de me retourner pour les suivre. Ah, il me tourne autour, ce... C'est qu'ils sont trop amochés, résultat j'arrive à la fin du combat.
bordel, par contre, qu'est-ce que ce jeu est beau. Avec la ceinture d'une planète comme ça, pour pouvoir faire des dogfights. Là, c'est un extracteur qui est là. On va pas aller jusque lui, ça sert à rien. Faut que je garde les autorités pas trop loin de moi. Moi, j'ai encore du lag apparemment, mais bon. Là, je peux pas y faire grand chose parce que ça va être du côté de ma connexion internet. Tout simplement parce que je suis avec un câble que je dois plier n'importe comment pour pouvoir réussir à maintenir la connexion. Donc, résultat, il se débranche, il se rebranche tout seul. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus opti. On chope des tout petites primes là pour l'instant. Hein. On va se rapprocher du point. Mais c'est rien là en ce moment. Bon allez, on va faire quelque chose. J'ai déjà essayé hier. A priori ça a l'air de fonctionner. On me contredira si ce n'est pas le cas. En fait je vais sortir de la zone et y re-rentrer. En théorie ça reboot les PNJ. Et on va revenir. Hier en tout cas j'ai pu le faire parce qu'en fait il n'y avait personne, mais vraiment personne, hein. Que des autorités. Ah non, il n'y avait vraiment personne. Dans ce moment-là, il n'y avait que des mineurs, il n'y avait absolument rien d'autre. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un aller-retour comme ça. Ça reboot toutes les personnes qui étaient là. Et résultat, bah voilà. J'avais des nouveaux vaisseaux avec masse de monde quand même à ce moment-là. Après. Voilà. Rechercher bleu.
un gage de combat, ils sont 3, mais bon, ça va. Deux inoffensifs et un bleu. Au pire, ça alertera les autorités. Les autorités sont arrivées. Il est résistant quand même celui-là. Les vultures. Allez, il faut que j'y arrive avant qu'il se fasse éliminer. Il y avait quand même 18 000 sur lui, hein. 18 000 de primes, c'est pas mal. ...79 000, bah voilà, là on commence à avoir des primes qui commencent à devenir intéressantes. Partie d'une escadrille, je ne vais pas m'amuser à utiliser mes missiles, ça sert à rien. Surtout pour un niveau novice. Voilà. 66 000, ouais. Ça j'aime. Voilà, ça c'est les primes comme j'aime bien. Celui-ci. Je suis trop loin de lui. Allez. Voilà. 112 000. Ça fait plaisir. Alors toi, je t'ai déjà repéré avant. T'as tiré sur un autre pirate pour essayer de brouiller les pistes, mais moi tu m'auras pas. J'ai vu tes avis de recherche. Et je veux bien de ta prime, même si je sais pas de combien elle est. Les brouilleurs comme ça, ils sont chiants. C'est pour ça qu'à un de mes prochains vaisseaux, je pense que je équiperai ça parce que c'est vachement utile. 26 000 ? Oh seulement. Dommage. Alors toi. Merde. Toi, tu dois être un mineur, c'est ça. Bon, je vais quand même l'analyser histoire d'être sûr. Voilà. Comme ça, ça me le confirme, et sur le radar, ça me fera pas tiquer à chaque fois. Les autorités ont l'air de voler vers là. On verra ce qui les intéresse tellement. Oh, j'ai entendu un tir.
absolument rien repéré. Au. Mais pourquoi il m'a... Ah mais l'attaque de prévention quoi. Oh le bâtard. Le fait que je sois en face de lui à juste le regarder en fait, il a pas aimé quoi. Ok. Ils le prennent comme ça. Bon bah je vais arrêter de les regarder droit dans les yeux alors. Je vais arrêter d'être sympa et de m'arrêter au contrôle. Ils sont chauds aujourd'hui. Ok. Pourquoi je vais en arrière? Ça sert à rien d'aller en arrière. En dessous pour pouvoir me viser tranquillement en fait. Ouais, c'est vrai que les autorités viennent m'aider là au lieu de me tirer dessus des points de chaleur alors que moi je suis pas recherché. Bon, je crois que c'est le signal pour aller faire un petit tour à la base après. Seize mille seulement, fait chier. Bon. Engage. J'en reviens pas quoi, les autorités qui m'ont tiré dessus simplement parce que je les ai regardées. Salut Anthony du 21, ça va et toi? Vu qu'on est assez proche en fait de la station, j'ai tendance à la louper rapidement. Faut que je fasse attention. Bon, faut pas que je fasse trop attention non plus parce que sinon je vais mettre 3 heures à y arriver.
Je joue depuis combien de temps? Je crois que je passe là la barre des 80 heures de jeu. Attends, demande au plat. Là, je passe la barre des 80 heures de jeu, si c'était ça ta question. Et sinon, je stream depuis une vingtaine de minutes, quelque chose comme ça. Ce jeu fait perdre la notion du temps. Ouais, bah en fait, le truc, c'est que ce jeu est une vraie drogue, donc les heures de jeu s'accumulent très très facilement. Je vois pas le temps qui passe. Quand je joue en fait en off, plateforme 6, c'est celle-là. Quand je joue en off, le truc, c'est que je mets toujours du YouTube ou autre en fait sur mon deuxième écran. Et résultat, bah, je regarde mes vidéos YouTube tout en faisant de la chasse. Et résultat, bah, je vois pas le temps qui passe. Et encore hier soir, je me suis couché assez tard. Alors que bon, j'ai quand même un enfant dont je dois m'occuper, qui me réveille très tôt le matin. Et donc après, ça pique un peu. Donc, contact. On va récupérer les quelques primes que l'on a reçues. On va surtout ravitailler et réparer, parce que j'ai quand même pris un peu cher avec le dernier là. On va aller voir où on en est au niveau de l'objectif communautaire. Ça met du temps quand même. Alors on a passé le niveau 5, cependant on est toujours en grade C. Au-delà de 50%, ce qui fait qu'à la fin de l'objectif communautaire, pour l'instant, je gagnerai 4,6 millions de crédits. Sachant que j'ai déjà apporté voilà, plus de 5 millions de crédits déjà que j'ai apporté. Donc, ma récompense est moindre par rapport à... La récompense est moindre par rapport à ce que j'ai pu apporter, mais bon, voilà, on va dire ça double presque ce que j'amène. Après, avec un niveau supplémentaire, ça permettra de... Un niveau d'objectif communautaire en plus, ça permettra d'encore multiplier les récompenses. Et à ce moment-là, ça commencera vraiment à devenir intéressant. La dernière fois, bah, j'étais au même grade, grade C à 50%, donc 50% de participation. Et... 50% de participation, 50% des personnes ayant le plus participé. Voilà, c'est plutôt dit comme ça, parce que j'ai pas fait à moi tout seul 50%, hein, pas déconner. Mais au même niveau, au niveau 5, quand j'ai obtenu 9 millions, quelque chose comme ça. Pas trop dur, alors j'imagine, oui, pas trop dur, je viens de l'acheter. Bah, félicitations, tu t'es trouvé une drogue. Et pas trop dur, oui et non. C'est-à-dire que j'ai eu... J'ai la chance en fait d'avoir quelqu'un que je connais qui joue déjà, qui m'a pas mal aidé. Parce que tu es vraiment en totale liberté dans ce jeu. Tu fais vraiment ce que tu veux. Avec les conséquences qui sont là, hein, bien sûr. Si tu fais pirate, bah forcément tu as les autorités et d'autres joueurs si tu joues en jeu open qui vont t'agresser. Mais c'est vraiment un coup à prendre. D'ailleurs, je te conseille de regarder le youtubeur que l'on m'a conseillé, qui est Emric. Donc si j'ai pas de bêtises, c'est A-Y-M-E-R-I-C, qui propose des tutos justement pour notamment le maniement du jeu et son fonctionnement. Mais sinon voilà, à partir du moment où tu le prends en main, tu commences vraiment... En fait, à chaque fois que tu vas jouer, tu vas comprendre de nouvelles choses. Tout simplement. Tu vas remarquer un détail que tu n'avais pas vu avant. Et tu vas dire, bah oui, mais pourquoi j'ai pas vu ça avant? Je suis totalement bête. Et là, tu te rends compte que oui, tu étais vraiment bête. Mais que tu seras un peu moins à chaque fois. Ouais, il y a quand même énormément de subtilités encore que je n'ai pas tout à fait compris.
Ah, tu as déjà vu sur YouTube, bah, je te conseille de suivre sa chaîne et de regarder ses tutos. C'est vachement intéressant. Là, on approche. Désactivation. Voilà. Alors, est-ce que cette fois-ci il va y avoir du monde? Je sais pas si t'as déjà fait des jeux dans ce style-là. Mais moi j'en ai fait quelques-uns il y a très très longtemps, et un peu plus récemment j'ai essayé No Man's Sky. Et je m'étais dit en fait simplement que les jeux spatiaux c'est pas du tout pour moi. Parce que bah trop de liberté, pas vraiment mon univers, etc. Et à partir du moment où je me suis mis à tester ce jeu, bah voilà, j'ai lâché mes autres jeux, j'ai plein de jeux en attente. Notamment Far Cry 5, sur lequel j'ai passé quand même déjà pas mal d'heures dessus, mais bah, dès que j'ai touché à celui-ci, bah, j'arrive plus à retourner sur mes autres jeux. Simplement parce que c'est un jeu que tu peux faire en fait en faisant autre chose. Résultat, moi je me lasse pas en fait. No Man's Sky, je le trouve sympa, mais enfin le détruite, comment ça se fait? Je trouve sympa, mais bon, voilà. C'est une version, enfin c'est comme si tu prenais ce jeu-là et que t'enlevais quelques fonctions en fait. En plus, le côté de génération aléatoire des environnements, etc., ça me plaît pas trop. Le fait de voir chose que tu n'as pas d'ailleurs dans ce jeu-là, le fait de devoir atterrir sur des planètes pour pouvoir récupérer des ressources, pour pouvoir améliorer ton vaisseau, etc. T'as pas tout ce côté craft en fait dans Elite Dangerous. Et moi, ça me plaît bien justement de pas avoir ce côté craft. Quand j'ai besoin de quelque chose, je récupère des crédits en faisant des missions, je vais l'acheter en magasin, basta. J'ai pas besoin de 50 types de plantes différentes en 200 exemplaires pour pouvoir réussir à créer un putain de moteur qui va me servir pendant à peu près 3 heures de jeu, parce que je trouverai tout de suite quelque chose de meilleur. Bon, moi je suis un peu méchant avec No Man's Sky, je peux comprendre ceux qui aiment le craft, mais c'est pas mon cas. L'avantage de Dungeon, c'est vraiment que tu peux jouer comme tu veux. C'est quelque chose que je vois en fait, c'est que tu es toi, tout simplement. C'est quelque chose que je redoute dans la plupart des jeux, mais dans celui-ci j'aime bien, c'est tu es vraiment toi. C'est-à-dire que moi actuellement, ce que je fais, c'est que je me considère comme tout simplement un mercenaire chasseur de primes. Je reste dans la légalité pour pouvoir faire mon travail tranquillement sans me faire emmerder par les autorités. Mais au-delà de ça, voilà, la moindre personne qui est recherchée, je cherche à l'éliminer. Ah, salut Islamar. Comment vas-tu? T'es vraiment devenu un fidèle de cette chaîne, hein? Dès que je fais du Elite Dangerous, tu es là. Ça fait plaisir, hein? Il y a du craft maintenant sur Elite, mais juste pour améliorer les modules, ouais. Après, tu peux récupérer les ressources hyper rares, comme tu me disais, tu peux récupérer les ressources hyper rares autre part en les achetant cher, mais tu peux le faire. D'ailleurs, si tu veux suivre mes lives sur les Dangerous, Anthony du 21, je te conseille de mettre follow sur la chaîne. Voilà, je fais ma petite pub. Toujours plaisir d'avoir des personnes avec qui parler durant les lives. Et si en plus je peux t'apprendre 2-3 choses, ça me fera toujours plaisir.
là-bas il y a des tirs. Non, c'était pas des tirs. C'est de l'extraction. Tu achètes pas vraiment, c'est un troc contre d'autres ressources. Ouais. Parce que là j'en suis où? Je peux pas avoir les ressources ici? Je croyais. Inventaire. Matériaux, cargaison vaisseau. Non, je crois que c'est dans les bases qu'on peut voir. C'est matériaux? Ferraille mécanique, c'est pas grand chose. Hein. Voilà. Bon, j'ai pas mal d'analyse en fait. Bah, à force de checker tout le monde pour pouvoir voir s'ils sont recherchés ou non. Ah, tiens, Islamar, tu vas pouvoir m'éclairer sur quelque chose. Tout à l'heure, pendant un scan des autorités, il y en a un qui s'est arrêté et qui s'est forcément mis à me regarder. Et simplement je me suis arrêté devant lui en le regardant. J'avais les armes rentrées, hein, je pense qu'il s'est senti menacé et m'a tiré simplement à un surcharge de chaleur. Donc est-ce que toi ça t'est déjà arrivé? Est-ce que c'est courant, etc. Et sinon là moi je pour te répondre Anthony, je joue sur PC avec une manette de Xbox One. Que, apparemment la version PS4 n'est pas optimale. Bon, je l'ai su qu'après, hein, de toute façon, que c'est pour ça. Mais la version PS4 n'est pas du tout optimale. Ça rame beaucoup, donc si tu as un PC qui peut faire tourner le jeu, je te conseille largement la version PC. Analyser les 4. J'arrive pas à changer d'arme. Voilà. Non, je l'ai pas du tout touché sans faire exprès, hein. Je devais être à 1 km de lui, quelque chose comme ça, les armes rangées. Donc tu sentais le petit coup de semonce, tu vois. Le coup de t'approche pas trop, t'es amical avec nous, mais je préfère faire attention, quoi. Je sais qu'il faut jamais regarder un bulldog dans les yeux, mais quand même là c'est un peu violent. Alors, si les autorités me refont un scan, j'essaie de répéter l'expérience. Bah non, en fait, il était vraiment stationnaire en train de me regarder directement, il n'y avait personne derrière. Et une fois qu'il a fini son scan, il est parti tranquillement, sans tirer ni quoi que ce soit. Donc, ça s'est arrivé plusieurs fois où j'ai été dans la ligne de tir des autorités. Mais là, en fait, il n'y avait aucun fight. C'était vraiment pendant un contrôle, quoi.
jeu me donnerait presque envie en fait d'acheter un énorme combo de joystick et un casque VR. Le souci c'est que j'ai ni l'argent ni la place pour pouvoir avoir tout ça. Même j'ai vu, il y en a qui ont d'énormes écrans incurvés qui te permettent de simuler vraiment un cockpit. Alors pour ce jeu là ça va être génial quoi. Soixante-huit mille, c'est déjà ça. Alors j'ai regardé un peu le vaisseau que je voulais prendre. Si je dis pas de bêtises, c'est le Python. Qui a 52 millions actuellement. Et celui-ci, quand je pourrais le prendre, ça me changera pas mal du MK3, du Cobra MK3, qui est un très bon vaisseau, mais qui est plus suffisant, je pense, pour mon utilisation. Bon, parce que je manque un peu de puissance de frappe, et surtout, il me manque du bouclier et... de la coque. Il y a des tirs dans cette direction. J'arriverai pas à temps. Je prendrais bien sinon un anaconda, mais je crois que ça va pas être pour tout de suite. Hein. Ouais, c'est ce que je compte faire, ouais, sans récupérer à peu près le double en avant de le prendre. Comme ça, je suis un peu plus tranquille. Je pourrais à la fois mieux l'équiper et aussi me garder une assurance derrière. Quand je vois déjà que mon Cobra qui coûte quoi, il coûte combien un Cobra, je crois 300 ou 400 000, quelque chose comme ça. Bah là c'est mon coût de rachat, donc en cas de problème avec mon vaisseau. Parce que là actuellement il coûte ouais 34 millions. Avec tous les équipements que j'ai mis, etc. Par exemple, parmi les choses que je n'avais pas vu avant, en fait, simplement sur le côté droit, donc j'ai la jauge de détecteur ADR qui se remplit au fur et à mesure que je détecte tout simplement les avis de recherche. Et j'avais pas vu que quand tu avais fini au moins une fois la recherche, ça m'était terminé en dessous. Ce qui fait que à chaque fois, j'étais pas sûr d'avoir fini de rechercher toutes les primes sur lui. Et ça, c'est quelque chose que j'ai repéré hier. Est-ce que j'ai un renforcement de bouclier? Je crois pas. Parce que je crois que ce que je peux acheter, ce sont des cellules supplémentaires pour le bouclier. Mais je sais pas s'il faut que je les active moi-même ou si ça s'active tout seul. Si ça s'active tout seul, ça m'intéressera beaucoup plus que si je dois l'activer moi-même. Simplement parce que moi j'y penserai pas.
faut les activer pour recharger Boubou, ouais. Ça me semble compliqué à ce moment-là d'en prendre un, parce que j'y penserai pas, c'est ça le problème. Je suppose que ça utilise un slot d'armes. Renforcement, il faut regarder les options là, oui. Je vais regarder ça tout de suite. Alors, module. Pendant un temps, j'en avais des renforcements de modules et de. Un pack de renforcement de modules et renfort de coque. Voilà. Donc, un 4D pour chacun, un 2E pour le renforcement de modules et un 2D pour le renforcement de coque. La même stratégie que tout à l'heure, on va sortir, on va revenir. On va sortir et on va revenir de la zone. Ça permettra d'actualiser un peu les gens qui sont dessus. Renforcement de bouclier, c'est. Parce que le bouclier lui-même. Bouclier lui-même, je suis sur un. Sur un 4A, mais après les renforts de bouclier, c'est pas du optionnel? C'est quoi alors? C'est pas du initial? Pas du primordial? Moi, à chaque fois, je les voyais dans optionnel, les recharges de bouclier. Je pense que c'est un mineur, mais on va quand même aller voir. Ouais, c'est un mineur, au moins je l'aurai analysé. D'accord, les recharges sont en option, mais le renforcement de bouclier n'est pas optionnel. À ce moment-là, tu dois parler certainement du générateur de bouclier alors. Parce que je me rappelle pas d'avoir vu de renforcement de bouclier autre part que dans. Enfin, ce qui me semble optionnel. Les renforts sont les mêmes que l'ADR. D'accord. Bon bah, faudrait que j'aille voir alors. Je sais plus comment ça s'appelle ces trucs là. Il est où l'ADR? Ouais, non, on peut pas voir où il se situe sur le vaisseau. D'avoir si bien fait de faire un aller-retour dans l'espace. Il faut que j'en refasse un. Je suis en train de me faire scan par les autorités. Non, je peux pas. Pour le coup, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à me mettre face à lui.
Yes. Il s'apprête à tirer sur le mineur. Cependant, il y a tout le monde qui est en train de lui débarquer dessus. Eux, t'as l'impression qu'ils sont pas du tout concernés par le brouilleur de radar. Donc il met le brouilleur, eux ils peuvent lui tirer dessus, y a pas de soucis. Ah comment mes tirs ils partent à volo. Leur tir, y a aucun souci. Okay. 50 000 crédits, ça fait plaisir. Bon, un transporteur, ça doit être un mineur certainement. Ouais, je retourne en Super Cruise pour réinitialiser la session. Ouais. J'ai testé ça hier, ça a assez bien fonctionné parce qu'il n'y avait personne sur la zone. Mais quand je dis personne, c'est vraiment personne. Et quand je suis revenu, il y avait masse d'autorités, il y avait masse de mineurs, masse de personnes recherchées. Je pense que ça fonctionne surtout quand tu es en solo. Parce que quand tu dois être en ligne, en fait, doit toujours y avoir des joueurs dans la zone qui eux, ont encore les ennemis chargés, en fait. Tu peux aussi déco reco. Ouais, mais je pense que ça me prendrait peut-être plus de temps de déco reco, et puis je préfère le faire, entre guillemets, RP. Ça fait plaisir. Bon, ils sont trois. Bon, je vais quand même tous les analyser, comme ça au moins je les aurai reconnus. Que des cibles que je connais là. Ça va bien gagner du nouveau. On va passer de l'autre côté. Personne. Wow. Il y a vraiment personne de ce côté-là non plus. Selon mon radar, il y a quand même pas mal d'activités par ici. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est fait péter. Résultat, c'est tous les débris que je suis en train de voir. Ah.
de m'échapper. Ça m'embête d'avoir utilisé des missiles sur un sur un ennemi comme ça. Le combat contre un bleu qui prend 3 heures. Et les autorités commencent enfin à lui tirer dessus. De livraison. Non. Je me fais bien plus en tuant d'autres vaisseaux. Bon allez, on va partir en super cruise. Sinon, pour revenir aux matériaux, des crafts, les débris des vaisseaux que tu exploses s'en est. Ça pourrait devenir intéressant de les récupérer. Après, il faut partir du principe que la moindre chose que tu récupères dans l'espace est volée. Enfin, moindre chose que tu récupères d'un vaisseau dans l'espace est considérée comme volée. Ça m'embête un peu plus. Support utilitaire, d'accord. Ces débris ne sont pas volés. Ils vont pas en soute. Ah. Ouais, je vois. Là. Bonjour, monsieur le novice. Ça vous dirait de mourir? Ça me rapporterait un peu d'argent. Pas lâcher la DR, pas lâcher de la DR. Voilà. La DR est terminée, donc si je perds le ciblage, je pourrais lâcher le bouton. Le ciblage, il est mort. Alors, 11 200 crédits. Ouais. Salut Bloodkist, c'est un MK3, je crois que le MK4 n'est plus disponible à la vente depuis plusieurs mois maintenant. Étant donné que ça doit faire 3 semaines, quelque chose comme ça, je suis sur le jeu. Je ne l'ai pas. Federal Dropship, généralement, ils ont une bonne récompense sur eux. De les aider à prendre quoi. Wow. 70 000, ça fait plaisir.
Tu sais que je... Ouais, je sais, j'approche d'un truc derrière moi. Ouais, sur le cruise, l'ADR n'est pas indispensable, mais simplement en fait, je l'avais laissé. Vu que j'avais l'intercepteur FSD. Il y en a toujours, c'est juste que toutes les stations ne vendent pas tous les modèles. Ah d'accord, parce que j'avais vu en ligne justement qu'il n'était plus disponible, donc je me suis fait avoir par internet. Autant pour moi, de toute façon, je faut s'attendre à ce que je dise beaucoup de merde sur ce jeu. Je le connais pas encore assez bien. Je suis pas sûr que j'arrive à avoir toutes les connaissances sur ce jeu, même après avoir passé 300 heures dessus. Enfin, quand j'aurai passé 300 heures dessus. Ce qui risque d'arriver assez bientôt pour parler mal. Je les passe comme un abruti. Hey, merci Bloodkist pour le follow. Ça fait plaisir. Ça tire sur lui. Juste être sûr qu'il soit recherché, c'est bon. J'aurais pas beaucoup participé à la guerre, mais j'aurais quand même eu la prime. Ah mince, il y en a un que j'ai passé. Ah, je vais passer à chaque fois. Voilà. Lui n'est pas recherché. Imperial Eagle qui est ici. Recherché. C'est pas beaucoup. Oh. Et ah merde, j'ai pas réussi à faire la DR suffisamment pour avoir toutes les primes sur sa gueule. Mais bon, 26 000, c'est déjà pas mal.
encore récupéré plein de ressources, ça fait plaisir. Expliquez mon choix d'armement. Oui. On va dire simplement que là sur ma gâchette de droite j'ai mis tout ce qui était les lasers parce que ça permet de pouvoir descendre assez facilement le bouclier, ainsi que le détecteur d'avis de recherche, comme ça ça permet de pouvoir faire de détecter les avis de recherche sur leur tronche dans des différents systèmes tout en pouvant leur descendre leur bouclier. Alors je l'utilise assez peu, mais j'ai aussi le détecteur ADR en fait sur une deuxième branche d'armes, ça me permet de pouvoir seulement faire les recherches ADR. Et sur l'autre gâchette, j'ai mis donc le canon et les missiles que j'utilise assez peu pour l'instant. Vu que je suis. Il y a assez peu de munitions sur les missiles. Ils sont très efficaces, mais il y a assez peu de munitions. C'est le souci. Et je préfère les utiliser quand je me bats contre une escouade. Mais là, étant donné qu'il y a souvent des autorités, je préfère éviter. Je ne sais pas du tout si c'est optimisé. Mais en tout cas, c'est ce avec quoi je suis habitué depuis quelques heures maintenant. Merci. The Eagle. Cible. Oh. Faut pas que je fasse ça pour ce soir. Faut que je me mette sur le deuxième groupe d'armes, comme ça je peux tirer plus facilement, j'ai pas besoin d'attendre que mes armes sortent. Ah, un anaconda. Avec un peu de chance, il a l'air recherché. Par contre, j'utilise les missiles hein. Contre un anaconda, pas trop de pitié. Après, là c'est un bleu et je ne sais pas si la prime va être très haute, même si c'est un anaconda. Oh, si ça va, c'est pas mal. Je suis plutôt content. Les patrouilles. Bon, ça m'étonnerait que j'arrive à temps, hein, mais bon. Même si on n'est pas sûr de l'atteindre, c'est pas... Ouais, bof. C'est mort. Lui, par contre... Ça avait pété le rocher en deux. Ah,
dans la ligne de tir des autorités, mais bon. 20 000. Ah, ok. C'est le moment où il commence à y avoir des cibles. Comme d'habitude, je les analyse en sachant qu'ils ne sont pas recherchés, tout simplement pour être sûr lorsque je passe d'une cible à une autre. Il y a masse d'autorité ici. Donc c'est eux qui font le plus de dégâts, on va rester à côté d'eux. Fight là-bas. Ils y vont aussi. Après j'avais peur des champs d'astéroïdes et des ceintures comme ça, mais en fait la navigation est pas si difficile. Faut faire, tant que tu fais attention, ça va. Je pense pas utiliser mon boost en fait. Carrément utile dans ce genre de cas où je dois poursuivre quelqu'un. J'ai quasiment fait un tour complet sur moi-même pour l'analyser, lui. Si j'ai tourné comme ça. Faut pas avoir le mal des transports ici. On m'a saoulé à tourner. J'ai ma copilote qui est toujours en train de dormir, donc je peux encore rester en live. Ah tiens, lui il est en train de me scanner. Est-ce que je peux encore lui faire face? Alors voilà, là il y en a un, je fais face à un là. J'ai juste mon détecteur ADR de sortie, hein, pas mes... Non, cette fois-ci, il m'a pas tiré dessus. Non, je sais pas, il était un peu soupolé peut-être, celui qui m'a analysé tout à l'heure. Là, j'en ai marre de ceux qui me fuient comme ça. Allez. Il y a des tirs ici. Voilà, ça tire sur qui? Sur lui. Ah, j'aurais dû tirer directement lui tirer dessus, mais bon. Le problème c'est que à chaque fois j'ai peur de tirer sur quelqu'un qui n'est pas recherché. Et qu'ensuite de me faire emmerder par les autorités alors que les autorités sont même en train de lui tirer dessus. Mais ça c'est le petit traumatisme de l'autre jour où c'est ce que j'ai voulu faire, sauf qu'en fait j'ai tiré sur la mauvaise personne.
Et résultat, bah, je me suis fait tirer dessus par à peu près une dizaine de vaisseaux. Et j'ai un peu compris ce que ressentaient en fait bah, mes victimes. Beaucoup de désespoir. En disant, bon bah voilà, j'ai même carrément lâché la manette à ce moment-là, j'ai fait, oh merde. C'est Winder, ça sent le rechercher celui-là. Yep. Celui-ci, le piton là. Le piton est recherché aussi. On va tirer d'abord sur le piton. Alors je tire un missile alors qu'il a son bouclier, je suis très intelligent. Ici, les autorités qui tirent sur lui. Bon, je pense que je peux y tirer dessus directement alors. C'était une toute petite cible, ça. Ah, j'ai cru voir ouais, un piton. Je pensais que c'était un anaconda, mais bon. Dites-moi qui l'a recherché. Dites-moi qui l'a recherché. Ah, je vais un peu trop vite. Il allait rechercher, mais. Juste carrément. Qui est parti sur un des des vaisseaux de l'autorité. J'espère qu'il n'y a pas trop mon vouloir. Je crois que je l'ai eu là. Bon, le souci que je vois par rapport à mon setup, c'est que j'ai bah, le canon et les missiles qui sont sur le même tir. Résultat, je tire assez peu au canon au final. Par peur d'utiliser trop de missiles. On va rentrer tranquillement à la base histoire de se ravitailler. Ouh, champ gravitationnel. Ah. Il suffit de demander. Engage. Bah ouais, mais si je fais trop de groupes d'armes, j'ai pu me retrouver dedans. C'est ça, faut apprendre à les gérer en fight, c'est ça le souci. Mais ce qu'il faudrait que je fasse en fait, c'est un groupe d'armes avec laser et canon d'un côté, missile de l'autre, pour pouvoir tester un peu ce setup là. Parce que le canon, il y a quand même pas mal de munitions dessus, donc et mettre juste les missiles d'un côté, comme ça, ça me permet de pouvoir pas trop dépenser.
Cette fois-ci, j'oublie pas la demande d'appontage avant de rentrer. Pas comme hier. Je vais quand même couper le live là parce que j'ai la princesse qui commence un peu à bouger dans son lit, donc je pense qu'il vaut mieux que je coupe. Ça évitera de faire une fin vraiment à l'arrache. Là on va récupérer tranquillement les récompenses, on va voir où on en est sur le tableau des scores de la mission communautaire. Récupérons nos primes. Bon, d'abord, on va faire le plein, on va tout ravitailler. Comme ça, on sera prêt pour la prochaine session. Bonjour, Yas421. Je suis désolé, tu arrives juste sur la fin du live. Je vais devoir y aller. Mais n'hésite pas à follow la chaîne si tu veux voir quand se passe la prochaine session. Normalement, si cette fois-ci ma fille veut bien dormir, ça devrait être vers 17h30, 18h. Bon, on est toujours classé C. On a apporté 6 millions de crédits pour l'instant à la station. Donc pour l'instant, on a 35 millions de crédits. On est encore un peu loin hein, des 55 ou 56 millions que nécessite pour l'achat du Python. Sachant que ouais, si je peux avoir 80 000... ça pourrait être pas mal. Merci Yas pour le follow. Il n'y a pas eu le... Ah voilà. Ah, j'ai anticipé le message. Donc on est encore assez loin de l'achat du Python, mais bon, on avance quand même pas trop mal. Si on pouvait faire avancer le niveau de la mission communautaire, bon, vu l'heure... Je sais pas où se passe vraiment la plus grande communauté du jeu. Mais en tout cas, si c'est en Amérique, ils sont pas encore levés. Mais je pense qu'à ce moment-là, ils feront bien avancer l'objectif. Et ça permettra de débloquer beaucoup plus de crédits. Alors, normalement, si je reste au grade C et qu'on passe le niveau 6, je devrais avoir 9 millions. Ce qui n'est pas du tout négligeable. De toute façon, il reste 4 jours. Oui, voilà. J'ai commencé l'objectif communautaire dès sa première journée. Donc, c'est pour ça que j'essaye de me maintenir dessus. Si je pouvais arriver au grade B, ce serait juste génial. Bon, sur ce, merci à vous d'être passé. Merci aux nouveaux followers. Je vous dis peut-être à donc, la fin d'après-midi, si sieste il y a. Sinon, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.